depuis mon engagement au sein de l'UMP, qui date un peu déjà, c'est la première fois qu'on a une manifestation de ce genre. C'est la première fois qu'en tant que représentant des Français à l'étranger, au Kazakhstan, on a une manifestation qui nous est destinée, dans laquelle on peut s'exprimer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, en particulier si on prend le site qui est en train de se mettre en place, un site web consacré aux Français de l'étranger. Je trouve que c'est une excellente chose, puisque jusqu'à présent, on n'existait pas vraiment au sein des fédérations, qui sont les fédérations qui sont basées en France. L'intérêt de tout ça, c'est aussi que maintenant, dans le cadre de la nouvelle législation et des nouveaux représentants des Français de l'étranger, qui sont les députés, tout ça est homogène, et je pense que ça va donner un grand dynamisme au niveau du mouvement, et que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais on est sur la bonne voie. Pensez-vous que c'est la bonne période pour le faire ? Oui, je pense que c'est la bonne période, parce qu'on est quand même dans une période, on est maintenant très proche des élections, de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et aujourd'hui, on a peu de temps, il va falloir mobiliser les troupes. Ce sont des élections qui vont être difficiles, sur lesquelles ça va jouer à peu de choses. Et je pense que c'est maintenant que vraiment on avait besoin d'avoir cette piqûre de rappel pour qu'on puisse vraiment aller en avant, vers nos adhérents, vers les gens qui sont autour d'eux, leurs amis, etc., pour vraiment expliquer dans quel contexte on est et pour gagner ces élections.